Alors, on a commencé déjà le groupe de travail. Ça a été sur Toulouse et sur Paris. Et aussi, il y avait le jour de l'attente, le résultat de quelque chose d'existence, qui est Chine. Encore. Alors, pour ces deux, qui sont en quelque sorte, ou bien qui génèrent un état de non-sécurité, il y a la sécurité. Ça veut dire quoi? Être en sécurité, c'est que l'intégrité de l'être, de ses biens, de sa famille, il est protégé. إذن كلمة الاثنين الإرهاب التطرف اللي ما يكونوش منيهما يكونوا يؤدوا للأمن ومن يكون الأمن يحيي الإرهاب. Encore dans les problématiques toujours, un processus de radicalisation. Et là, j'aimerais bien quand même qu'on prend un petit moment, parce que ce qui revient, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais quand même un petit moment sur ça. Alors, il faut savoir qu'il n'est jamais loin de chez nous. Ce n'est pas parce que nous sommes des musulmans ou je ne sais pas quoi, non. Là, ça revient déjà chez nous quand on a une interprétation, ça commence par une interprétation mauvaise ou trop à l'extrémisme ou à l'extrémité du texte, ce qui nous amène à la manipulation, ce qui nous amène à couper la personne avec ses liens, avec son entourage, et hop, il est isolé, proie facile. On peut faire ce qu'on veut. بالنسبة للتطرف يكون من الإنسان يفهم فهمة ناقصة أو غالطة أو عوجة للمسائل يولي معزول ينعزلو على كل شيء تما كنديرو به واش بغينا. Donc, aussi, là on revient au contexte. Qui c'est qui amène à ce processus? Qui c'est qui pousse à ce fléau en quelque sorte qui a touché le monde aujourd'hui? L'ignorance. Et quand j'appelle l'ignorance, c'est pas ça veut dire ne pas savoir lire, mais plutôt ne pas savoir comprendre et lire les consignes, les vraies. Parce que l'ignorance, quand j'ignore les valeurs, quand j'ignore la sagesse, la spiritualité, je tombe sur quelque chose parce que la nature a peur du vide. Donc pour combler ce vide, je n'ai pas compris, donc je dois chercher à comprendre. Et je prends le premier qui arrive. Deuxième chose, aussi, c'est un contexte politique. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, elle a provoqué, comme on a vu, un déséquilibre. Et ce déséquilibre, il a poussé, pour se protéger, à un repli identitaire. Donc, pour me protéger, pour dire que je suis une victime, comme on a vu hier, je suis une victime, alors je dois mettre quelque chose autour de moi pour ne pas aller vers l'autre. Et à l'intérieur, c'est la catastrophe qui se passe. Et médiatique. Malheureusement, on vient juste de le dire, aussi, les médias ne parlent que des choses et qui alimentent la peur. Attention des musulmans, attention des juifs, attention des chrétiens, attention des athées, attention de l'autre. Ils n'ont jamais dit aller vers l'autre. Toujours attention d'eux. Et jamais aller vers. N'est-ce pas? لهذه المسألة كاين الجهل أما الجهل أمر فظيع الجهل بالمعالم بالقيم كذلك مسألة سياسية لأن السياسة والعولمة خلقت عدم التوازن الإنسان ولا باش يحمي نفسه ينعزل على الجميع ومني تعزل نديرو فيه واش بغينا النقطة الثالثة العولمة مسائل الإعلام واللي هي ما كتتكلم إلا على الخوف من الآخر إذن المستقبل Rihanna, le mustaqbal, واش نديرو فيها pour l'enjeu d'avenir. C'est un enjeu mondial et qui implique, bon, mondial pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, la paix est devenue mondiale. Avant, on dit que la guerre elle est entre telle ou telle tribu. Un peu plus tard, ça a été entre tel ou tel pays. Là, aujourd'hui, le monde entier, il est en guerre. Donc, la paix, ou bien il est en conflit, ou bien il est en. Un état de déstabilisation, il est déstabilisé le monde. Pour rendre cet état de stabilité, c'est la paix. Et la paix, donc, c'est entre la famille humaine. Malheureusement, cette notion de famille humaine n'a pas encore pris sa valeur chez nous tous. Parce que je le sais, quand c'est ma famille, je prends mon fils, je lui paye à manger, je fais tout pour mon fils. Mais
Prenons ou bien posons l'exemple, si j'ai deux enfants, l'un c'est mon fils, l'autre c'est pas mon fils. Je laisse la réponse. Ça veut dire que cette notion de famille humaine, je ne vois pas à l'autre, à travers l'autre, quelqu'un de moi, une partie de moi, mais je vois à travers l'autre un autre comme moi et pas quelqu'un de moi, une partie de moi. Donc, la paix mondiale, la réconciliation humaine, la famille humaine, ça nous implique dans des dimensions politiques, sociales, économiques, culturelles, éducatives. Alors, vous avez vu l'éducation, vous avez vu le 16 mai, tout cela, c'est pour nous dire que aujourd'hui, on est tous appelés à pratiquer, soit qu'on soit politique ou sociétal, seulement chez moi, cette notion de paix. إذن بالنسبة لي هنا المستقبل الحي العالمية العائلة كإنسانية كعائلة كذلك المستوى السياسي الاجتماعي والأخلاقي والتربوي et réaliser l'harmonie de la diversité des personnes des cultures. C'est que l'autre qui est différent de moi, ce n'est pas un ennemi. C'est un miroir. C'est une complémentarité. C'est j'ai besoin de lui pour vivre. Par ego, hein. J'ai besoin de lui pour vivre. Et ce n'est pas quelqu'un qui me détruit, mais quelqu'un qui participe à mon humanité. L'insan al-akhar, التعايش أو التوافق بين الإنسانية بأن الآخر هو مثال أو قدوة مساعدة ومعاونة ليا. Il faut aussi mettre l'humanité au centre de notre réflexion. Pas d'intérêt personnel. Et pas d'intérêt économique, pas d'intérêt spirituel, pas d'intérêt religieux, l'humanité, quelle qu'elle soit. Ya ayyuhannas, l'humanité au centre de notre réflexion. Faire naître de nouvelles pensées et une nouvelle vision pour construire un nouveau monde. C'est pas détruire ce monde, mais reconstruire quelque chose pour maintenir les valeurs universelles, pour maintenir la place de la femme dans, dans la société. Parce que la femme, c'est la première école. La femme, c'est la première source de la vie. La femme, c'est l'origine de l'humanité. Mais cette humanité, il ne faut pas... Parce que si on dit ça, si on fait mal à l'humanité, on n'est pas en train de donner la vraie valeur à la femme, la vraie place à la femme. Ce n'est pas parce que c'est un mouvement féministe, non. C'est parce que donner la valeur à l'humanité, c'est donner la valeur à la descendance, à la progéniture, en quelque sorte, à ce que la femme a donné. La femme a donné l'humanité, il a créé l'humanité, il a participé à la création de l'humanité, sa place, il est important. Apprendre à vivre et à faire ensemble. Parce que vivre ensemble, ça peut l'être. Et ce qui est important, c'est que quand on fait ensemble, quand on vit ensemble, on installe un climat de sécurité, de confiance, c'est-à-dire je peux faire confiance à l'autre, je peux faire confiance à ce qu'il fait, je peux accepter ce qu'il fait et rebondir et aller plus loin. Le développement, il est plus facile quand on fait ensemble. Il est plus promoteur quand on travaille ensemble. Et tout cela pour éviter l'isolement, pour éviter la radicalisation, pour éviter que les personnes soient égarées. Éveil des consciences dès l'enfance par une éducation de culture de paix. Vous l'avez entendu, donc ça c'est un travail de tous les jours. Alors, une charte universelle de vivre ensemble en paix. Et là, quand on se réunit, c'est un début. Quand on se rassemble sans se rassembler, c'est un progrès. Parce qu'on a fait l'effort. Mais quand même, faire ensemble, c'est une réussite. Le bidaya, kint lagaw, hadi bidaya. Kint njtemu, hada, yani mjhoud. Wa innama kint bidaw, nkhadmu mjmu'in, hada huwa nnaja. Encore, on parle de l'aspect économique. L'économie, c'est quelque chose. C'est pour ça, les thèmes, ils sont en cercle. Il n'y a pas d'ordre de priorité, mais ils sont en cercle. Donc, investir dans une économie de partage éthique et solidaire pour que les personnes ne se sentent pas lésées, dévalorisées, et comme ça, elles vont s'isoler et se radicaliser. Les actions menées par Aïssa. Le centenaire 2009, le Miaouia. Le centenaire, il était sur les 7 thèmes. La terre, l'éducation, la mondialisation, la communication, le Coran, la spiritualité. La dernière journée, ça a été l'avenir. C'est tout ce qu'on a appris. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui.
ou avant ne nous sert pas comme levier pour l'avenir, alors il faut revoir une éducation d'éveil chez nous pour amener au bon fonctionnement de notre humanité. Le Congrès, un islam spirituel, libre et responsable. Pourquoi spirituel? Pourquoi libre? Pourquoi responsable? C'est un choix personnel. Il n'y a pas que le dogme, c'est une complémentarité. Et aussi, je suis libre à faire ou ne pas faire. Il n'y a personne qui va me dire « tu dois ». J'ai choisi. Ce sont deux choses différentes. Alors, aussi, on parle du congrès international féminin, qui était à Oran. Et là, quand même sur le titre, congrès international du féminin, pour une culture de paix. Parole aux femmes. On attend la parole aux hommes. On attend la parole aux jeunes. On attend la parole à l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, il faut l'investir pour élargir le champ de vision. Aussi, l'islam et les défis contemporains, qui étaient à l'UNESCO en 2015, et ça parce qu'on rencontre des défis. Mais c'est à nous. Chacun ou chacune à son niveau, peut relever le défi et peut participer. Ne reste que prendre de la poubelle, ne pas la laisser dans la route, mais la mettre dans un sac poubelle. Ne reste que bonjour, ne reste que salut, le sourire. C'est des gestes simples. Mais la complexité nous a aussi amenés à l'isolement. Alors, le séminaire des jeunes, l'année dernière, ça a été sur Toulouse, de l'éducation vers le vivre ensemble, cette année, vous avez bien vu, donner une âme au vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a cette continuité des séminaires, cette continuité d'échange entre les jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir, et nous les jeunes, je le dis, nous les jeunes, nous sommes l'avenir, et nous sommes le... Pourquoi? Parce que chacun de nous sera ça et s'est dépassé. Tant que nous sommes en vie, nous sommes jeunes, nous avons de l'espoir à construire. Ils ont construit pour nous, nous devons construire pour eux. Aussi le Maulid, vous l'avez bien vu, partage, un moment de partage. Encore, dialogue et échange interreligieux, interculturel, et les cercles d'échange dans les prisons. Et là, j'aimerais bien poser un point, c'est que dans les maisons d'arrêt, il ne faut pas oublier que la plupart des personnes qui sont là-bas, de culture musulmane ou autre, d'autres cultures, ils sont dans l'isolement. Et c'est là-bas le noyau, la cellule souche de radicalisation. Pourquoi? La personne, elle est isolée. La personne, elle est rejetée. La personne, elle est déprimée. Alors, on lui tend le bras de secours, mais le bras de secours vers l'enfer. C'est pour ça, nous devons agir dans ce sens pour cet isolement vécu par ces personnes-là soit un peu élargi. Aussi, on a oublié un point, la participation de Issa, ça fait 2 ans, la deuxième année, Inch'Allah, ça va se faire, la participation dans le congrès, la foire internationale des musulmans de la France, ça a été aussi à Bruxelles. Pourquoi? C'est pour aller à la rencontre, et pour aller rencontrer d'autres personnes, et leur dire que l'islam n'est pas une seule vision. L'islam n'est pas seulement un seul regard. L'islam, c'est une multitude de cultures, de visions, de spiritualité. Alors, le positionnement, on l'a bien dit, positionnement en tenant compte de l'existant. Ce qu'on propose, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas d'actualité, mais on s'harmonie, on essaie de s'harmoniser pour arriver à travailler en partenariat et ensemble. Dans ce cadre-là, on demande d'élaborer une charte. Il y a des personnes qui travaillent, donc pourquoi pas élaborer une charte de travailler ensemble et de vivre ensemble en paix, collaborer au dialogue, ou bien collaborer, c'est-à-dire participer. Le dialogue en route, il est déjà en route. C'est un concept en Suisse, donc on travaille aussi. Et je reviens sur le premier, c'est en partenariat avec l'UNESCO. C'est quelque chose qui est mondialement aussi adapté et reconnu. Créer une base de données universelle. Et là, sur les sciences coraniques, et les sciences de hadith, et les sciences de la sunna, et tout cela pour permettre aux personnes qui vont chaque jour à Google, Internet, de leur dire qu'il y a autre chose. Parce que, c'est vrai, eux, ils ont travaillé, ils ont médiatisé ce qu'ils font, à nous maintenant de travailler ce point-là, de le mettre open source pour tout le monde, pour venir s'abreuver
pour venir se ressourcer de ce qui est comme message spirituel de l'islam. Et une autre lecture de les sciences coraniques. Aussi, utiliser les médias comme un outil, ça, on l'a dit, on l'a redit, et c'est notre. Mais par contre, quand on utilise les médias, bien quand on dit les médias, on croit les chaînes télévisées ou les chaînes radio. Non, non. Quand je suis en train de filmer quelqu'un qui est en train de se tabasser, je m'excuse des termes, ça serait bien que je filme quelqu'un qui est en train de partager un repas avec un pauvre. Quand je filme quelqu'un qui est en train de s'étouffer ou d'étouffer un jeune ou un enfant, ça serait bien que je filme quelqu'un qui est en train d'aider un vieillard ou une personne âgée à traverser. C'est-à-dire, il ne faut pas participer et alimenter la haine, comme on a dit tout à l'heure. Il faut alimenter la pensée positive. Au lieu de filmer des personnes qui sont en train de se tuer, ou bien pour un peu faire jaillir l'émotionnel, il faut aussi prier, filmer des personnes chrétiens, musulmans, juifs, athées, qui sont en train de prier ensemble. Et tout cela, malheureusement, on ne le voit pas. Malheureusement, on ne le voit pas. Tout le monde a un compte WhatsApp. Et tout le monde, il reçoit des blagues, mais des blagues à l'encontre de ce qu'on pense faire. On peut faire des blagues aussi, hein, mais avec le vivre ensemble, le bien vivre ensemble, en paix. Créer un conseil d'experts. Et là, on fait appel à tous les experts, dans tous les domaines, pour créer ce conseil, pour produire un programme scolaire, parce que c'est l'éducation qui est en jeu, c'est la souche. Et pour la culture de paix, dès le plus jeune âge, jusqu'à l'université. Merci.